Je suis Adi Kona, Agbe Zéturin, moniteur des enfants, le papa des enfants, à l'orphelinat de la Fondation Joël Grasso. Depuis notre arrivée, nous avons été confrontés à un problème d'eau. Nous avons essayé de savoir qu'est-ce qu'ils nous répondent, c'est un problème général dans tout niveau. Or, le fondateur, à la personne du propriétaire Joël Grasso, en tout cas, a bien pensé les choses. Non seulement il a eu une addition d'un compteur d'eau et il a mis un puits. À notre arrivée, il a fait venir un appareil pour faire pomper d'eau. Malheureusement, nous sommes en saison sèche et le puits a tari. Et donc les gens, certainement, n'avaient pas touché la vraie nappe. Et c'est ce problème que nous avions. Après deux à trois, après un seau d'eau, le puits tari. Et on est obligé de sortir. Aller demander au Dieu. J'étais obligé d'aller demander des personnes, pardon, mais comme on est tellement nombreux, alors une fois qu'on s'en va, dès qu'on a fini de prison, nous essentiels, nous aussi là-bas devient rouge. Imaginez bien que demain on ne peut pas nous accueillir favorablement. Et là, ce problème-là perdure. Et nous avons, au cours d'une réunion, saisi le fondateur, le prophète. Et véritablement, il a pris le dossier en main. Science tenante, il a ordonné à son comptable de pouvoir faire face à ce problème. Et aujourd'hui, il rend à notre joie. Et maintenant, nous sommes soulagés, nous sommes dans la joie, nous avons maintenant de l'eau en permanence. Il faut dire que ce puits-là contient de l'eau. Mais il y avait de la boue dedans. Et aujourd'hui, on a tout ce que nous avons. Comme l'ustensile a été rempli, les enfants et moi ne sont pas sortis pour aller puiser de l'eau. Et c'est pourquoi nous sommes en grande joie et nous voulons dire vraiment merci. Merci au prophète, merci au fondateur. Parce que dès qu'il est saisi, il a réagi. Promptement, il a apporté une solution idoine et nous lui disons grandement merci. Les enfants étaient contents et ce soir encore, nous sommes encore contents. Les enfants venez. Voilà. Ça, c'est les garçons, les grands garçons que je fatigue beaucoup. C'est avec ceux-là. Voilà. Je suis obligé de les réveiller à 2h. Alors que le lendemain, à 6h, ils vont aller à l'école. Voilà, on est obligé de les réveiller et on attend l'eau de saut d'ici. Pas de 1h du matin. On est là pendant près d'une heure, ça ne vient pas. Et s'ils sont comptables, c'est à 2h30, 3h. Et parfois même, on quitte le lieu, on quitte le Dieu à 5h moins. La dernière fois, c'était jusqu'à 5h moins 9, à 6h moins 9 plutôt, que l'eau a été. C'est pourquoi nous sommes contents et nous sommes réjouis. Voilà, vraiment, on a eu l'eau, on est contents. On peut plus sortir pour aller puiser l'eau et on peut plus sortir la nuit pour puiser l'eau. Et je viens de content. Le moniteur même acheté raccord pour n'importe quand on s'est pas dit aussi pour prendre l'eau pour passer aussi dans Paris. Aujourd'hui on est content. On n'a même plus envie, on a même plus besoin d'aller chercher l'eau aujourd'hui. Je voulais lui dire merci parce que grâce à lui, grâce à le prophète aujourd'hui, nous lui avons parlé après de l'eau. Et grâce à lui, aujourd'hui nous avons de l'eau. Et nous avons donné, et le monteur aussi a pu le rapporter. Ça nous permet à ne pas se fatiguer pour prendre le saut, pour puiser. Donc, comme ça, nous disons merci parce qu'à cause de l'eau, nous arrivons vraiment à avoir de l'eau. Nous disons merci. Je suis Olivia Bélier, la directrice de l'orphelinat de la Fondation Prophète Joël Grasso, Espoir de vie. Nous disons déjà merci au prophète parce qu'il a résolu le problème d'eau que nous avons. Nous n'avons plus désormais à nous réveiller à 4h du matin. Les enfants n'auront plus à se réveiller très tôt le matin pour aller puiser de l'eau et revenir encore à 6h pour se laver, se préparer pour l'école. Donc vous voyez déjà les enfants qui sont heureux, ils sont tous fêtés. C'est comme une victoire pour eux parce que maintenant ils auront un sommeil paisible. Nous disons merci et que Dieu le bénisse infiniment.